Salutations, ladies and gentlemen! On se retrouve pour un jour, un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir. Et nous sommes à l'épisode je ne sais plus combien, mais on est mardi, ça je sais. Hop, allez, on est parti. Je vous ai dit qu'on se retrouvait ici chez Astérix pour aller faire du trade, donc on va pas perdre de temps. On va ranger le trident là, je m'en suis servi pour taper un pigmen au passage, parce que je savais qu'il me manquait ça. Avant de me taper un pigmin aussi avec le piglin. Et puis, il faut que je tape un autre truc, le Zoglin, je crois. Alors là, ça va devenir plus compliqué. Alors, monsieur le Tanner. Je cherchais son nom, c'est lui. Voilà, vous achetez ça, il paraît. Eh ben moi, j'en ai plein. Ah, puis ça vous remplit votre barre un peu mieux. C'est déjà plus rentable. Voilà. Voilà, monsieur. Allez, changez un petit peu. Passez en je sais pas quoi. Et vous vendez des armures en cuir pour cheval que je pourrais colorer. Donc ça c'est bien, il m'en faut 16. Donc je vais vous en acheter, monsieur, parce qu'il m'en faut 16. Donc on va vous faire monter avec ça tout de suite. Donc on va ranger dans un coffre. Voilà, on va garder voilà, celui où il y a déjà des armures en cuir. Hop, on va ranger de quoi ce qui sert pour lui. Dans un autre coffre, je vais mettre un coffre où il n'y a rien. Peut-être pas un grand quand même. Là, c'est Hélène. Voilà. Ici, on va mettre ce qui sert pour les prêtres. Hop, un peu d'or. Oh, puis on va mettre le charbon là aussi. Hop, et puis ça, on va le balancer. Hop, hop, hop. Voilà. On va donc aller acheter à monsieur le tanneur. Où es-tu barré? Monsieur le tanneur, où êtes-vous? À votre outil de travail, c'est bien. Alors, maintenant, moi, il m'en faut 16 des comme ça, t'es d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il m'en manque encore 4. Je vais les mettre dans... Ah, pas les émeraudes. Dans une shulker vide... Est-ce que j'en ai encore une shulker vide seulement? Voilà, il y a 4 objets. Allez, ce sera dans celle-là. Et puis c'est tout. Pas besoin d'aller en chercher une autre. Hop. Et donc... Et ils sont pénibles à me pousser. C'est vraiment très pénible. Alors, le tanner. Voilà, donc toi, bah du coup, c'est bien. J'ai pu trade avec un... Ah bah, ils vendent des selles aussi maintenant. Ça peut être pratique. Donc, 1, 2, 3 et 4. Normalement, on doit être bien. Bah, de toute façon, sinon, on viendra lui en retrade. Hein, tout simplement. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 9, 14. 15 et 16. On en a 16. Les 16 couleurs, ça doit le faire. Normalement, ça doit le faire. C'est un progrès. 16 armures colorées. Il faut juste qu'on récupère les colorants qui vont bien. Ça, ce sera à la base. En attendant, on a du charbon. On a du charbon. Hop. Ici. On a du charbon. Ici. Hop. Donc on va pouvoir trade avec ceux qui veulent du charbon là. Hop, on trade même beaucoup avec ceux qui veulent du charbon. Donc, il y avait un pêcheur. Où es-tu? L'ami pêcheur. Voilà, impeccable. Toi, tu veux bien du charbon. Eh ben, on va te trade du charbon jusqu'à ce que tu deviennes le level du dessus. Voilà, c'est bon. A priori, tu vas passer. Ouais. Et là, du coup, t'achètes du saumon et tu vends des cannes à pêche solidité 2. T'es pas très cool, toi. T'achètes du saumon cru. Bon, bah, il va falloir que je fasse une séance de pêche intensive de saumon cru et que je pense à ne pas le cuire. Et la morue, du coup, pourra me servir. Ouais, avec ça, on va... Ouais, allez, je vais me faire... Entre deux épisodes, on va se faire ça. En attendant, il manque le toolsmith et le weaponsmith. Alors, le toolsmith et le weaponsmith, voilà, il y en a un là. Forgeron d'armes. Toi aussi, c'est du charbon. Très bien. Eh bien, vas-y. Prends. Prends l'ami, voilà, monte de level, le but c'est de te monter au level max. Hop, voilà, il achète du fer maintenant, ça c'est beaucoup moins cool monsieur. Du coup il faut que je trouve son copain, lui c'est quoi, j'ai dit c'est les outils, il faut que je trouve son copain pour les armes ça doit être là-bas. J'ai dû poser par là, de quoi faire des forgerons d'armes normalement. Non, ça c'est des forgerons... d'armure, donc c'est pas eux. Est-ce qu'il y en a par là? Il y avait un gars là, il y avait des trucs ici. Mais alors c'est quoi l'outil des forgerons d'armes du coup? Je suis même pas sûr d'en avoir un ici. C'est pas dit. Qui m'a posé un bloc juste au-dessus là? Hop.
C'est même pas dit que j'ai posé la table d'armure de. Ouais, c'est celle que j'utilise pour mettre la netherite machin chose là. Ben, ça, j'ai pas. Ben, si, il y en a une là. Donc, c'est toi, forgeron d'outils. Non, toi, c'est le forgeron d'outils. Ah ben, mais si, c'est toi. Si, si. Et donc, toi, tu veux quoi là? T'es expert. Oh la vache, tu me vends des trucs qui me servent à rien. Des haches. Et tu m'achètes du diamant. Ouais, j'aurais pu te vendre mes diamants, ça c'est clair. Eh ben, on va t'acheter de la hache, tant pis. Ce sera le plus rentable, mais alors, pour le coup, on va ranger le charbon en attendant. Hop. Je vais foutre le bazar aussi. Morue cuite, ça c'est pour récupérer ma vie. Ok, alors reviens, petit bonhomme. T'es où? C'est toi, forgeron d'outils. Ok, tu vends des haches hyper intéressantes. Aïe, 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 ça fait peur. Ah, oh, puis en plus, il faut que tu retournes te zigzouiter. Du coup, hop, on en est où avec ce trade? Il me manque. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il m'en manque 3, Fisherman, Toolsmith et Weapon Smith. Donc là, je suis sur le Toolsmith. Et le Weapon Smith, c'est bien l'autre là? Il a pas. Régène, lui? Si, t'as Régène, impec. J'en ai à voir de la hache. Méga enchanté. Mais au moins, ça y est. Il est au niveau max. Et au niveau max, il va nous vendre solidité 2, efficacité 2. T'es vraiment pas. T'es pas un mec top top, toi. Alors, normalement, du coup, hop, petit progrès, et ben c'est lui, c'est fait. Il ne manque plus que le Fisherman et le Weapon Smith. Ok. Et on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, le Weapon Smith, ça doit être lui. Hein. D'armes, c'est bien ça. Donc, lui, ah ouais, il achète du fer. J'ai pas ramené de fer. Si je t'achète des cloches, ça coûte super cher les cloches. J'ai déjà plus de quoi m'acheter des cloches. Zut. Si je t'achète. Non, je vais. Alors. Je vais quand même lui vendre tout le charbon que j'ai. Hop. Voilà, ce sera toujours ça de prix. Viens là, mon gars. Hop. Vu que tu prends du charbon, ça fera toujours des émeraudes en plus. Et puis ça te fait monter un peu quand même. Voilà. Et ben, il va falloir que je retourne chercher du fer, en plus du saumon. Donc fer et saumon, quand on revient. Alors, on regarde quand même si on n'a pas de ça ici. Ah ben, j'avais déjà du charbon ici. Donc déjà, on va ranger toutes ces haches que vous pouvez combiner, les copains, si vous voulez, hein. Avec Fortuna en plus, là il y a vous avez une flopée de haches en diamant disponible. Et vous pourrez même récupérer une pioche efficacité 2. Ok, ça ferait de l'XP pas mal aussi ça. Il suffirait d'aller les désenchanter. Non, j'ai pas de fer ici. Et puis je pense pas en avoir ramené beaucoup chez Panoramix. On va aller voir. Le temps qu'ils papotent, 15h arrive, c'est l'heure de la discutaille chez eux. Hop, c'est parti. Mon kiki, on va taper le carton. Hop, voilà. Et alors, on va regarder, nous, pendant ce temps-là, si on a laissé du fer ici. On va laisser des émeraudes. J'ai aussi laissé des carottes, tiens. Hop, on va récupérer un stack. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de fer. Non, il n'y a vraiment pas de fer. Vraiment pas de fer de chez pas de fer. Bah, j'aurais cru que j'en avais laissé un petit peu quand même. Et visiblement, j'en ai pas laissé un petit peu. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je pourrais peut-être reproduire les chevaux pour avoir des variantes aussi. De chevaux. Carotte dorée, carotte dorée, j'en ai plus sur moi. Il va falloir s'en préoccuper de tout ça. Ok. Quelle heure est-il? 16h50. J'aurais pas le temps, je pense, de retourner chercher du fer et de le faire. Hop. J'en ai forcément à ma base. Hein. On tente. Allez, on tente. C'est quand même dommage que j'ai pas gardé un peu de saumon cru. Hein. Quel idiot. Mais quel idiot! Quel idiot, quel idiot, quel idiot. Bon, bah, entre deux épisodes, je vais pêcher déjà, parce qu'il m'en manque plus que deux là pour avoir le progrès. Ça nous fera 717, on aura encore progressé d'un cran. Je réfléchis en même temps là, que je galope. Quel progrès je pourrais arriver à faire assez facilement. Facilement maintenant. Il y en a vrai. Ah bah si, si, si. Il faut que je récupère des colorants de chaque truc là. Et que je les ramène au village aussi. Hop, pour colorer les armures en cuir. Comme ça, j'aurai mon musée des armures en cuir colorées.
Et hop, un petit progrès vite fait. Ça fera donc potentiellement, je suis à 718. Je devrais arriver à 718 minimum à la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine. J'aimerais bien arriver à 720. Ce serait bien. On voit le bout, on voit le bout, on voit le bout. Il faudrait aussi que je fasse une petite balade en cochon. Et en minecart sur des rails. Pour continuer à augmenter mes statistiques. Eh oui, il y a ça aussi. Mais je me dis qu'à chaque fois que je finis un onglet, comme j'ai fini agriculture là, voilà, quand on a fini ça, on a fini celui-là du coup. Donc ça fait deux progrès à chaque fois que je termine. Donc ça vaut le coup quand même, ceux où il m'en manque pas beaucoup et où c'est gérable. Malheureusement, il y en a qui sont compliqués. Par exemple, là, les trois bannières qui me manquent, ça va être compliqué. Il me faut une tête de Wither et une tête de squelette. Donc déjà, il va falloir que je m'occupe de récupérer les têtes. On aura beaucoup de progrès une fois qu'on aura les têtes. Mais pour ça, il faut qu'il fasse nuit et qu'il y ait un petit orage pour charger du creeper, les faire tomber dans mon petit piège et hop, 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 hop. Il y a les poissons aussi, les lapins, faut que je les trouve. Un stack de nids d'abeilles. Ouais, ça c'est voilà. Hein. Non, c'est pas celui-là que j'arriverai à finir vite. Celui du nether est un peu complexe aussi. Celui des biomes, ça va être compliqué. Le minage, c'est très compliqué parce que c'est tout cassé là. Ça va être long. Les statistiques, ça on s'en fout. Les potions, ouais, il n'y a vraiment pas d'onglet facile à terminer là. Ils sont tous un peu complexes. Vraiment tous un peu complexes. Et ça se mérite, hein. Ça se mérite, que voulez-vous, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc on a dit, il nous faut déjà du fer. Du fer pour trade avec le monsieur pas rentable. Vraiment des professions qui coûtent cher quand même. Ça coûte un petit peu cher tout ça. Et puis le poisson, il va falloir que je le pêche. Mais ça, je vais le faire entre deux épisodes. Je vais pas vous imposer ce truc là. Donc on va s'occuper de récupérer du fer, du fer, du fer, du fer. Hop. Et on va prendre ce qu'on a en comme ça. Tiens, on va même... Boum. Voilà, ça devrait suffire. Ça devrait suffire quand même. Ce serait étonnant que ça ne suffise pas. Tic tac tac. J'étais en train de me dire, je pourrais faire des carottes dorées du coup. Mais il m'en faut aussi pour la reproduction des... De nos copains, les lapins. Hop. Parce que ça, c'est quand même un progrès qui devrait être accessible. Les trois lapins qui me manquent, là. Faut que je me balade dans une plaine, et puis c'est tout, quoi. C'est pas un dit impossible. On va laisser la cloche ici. Hop. On va mettre ça dans les précieux, une cloche, quand même. Oui. C'est précieux, les cloches. Pas que j'oublie non plus d'aller farmer du Wither Squelette. Du Wither Squelette, faut que j'y pense. Le poisson, le Wither Squelette, ok. Les colorants. Est-ce que j'ai les 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eh bien, moi, je vous dis que normalement, on se fait un petit progrès, là. Par contre, j'ai pas assez de place sur moi pour ranger 16. Donc, hop, on va commencer par se faire un peu de place avec le nécessaire à trade, là. Hop, hop. Alors on va ranger les tridents aussi là-dedans, les carottes, les torches en surnombre, hop, voilà, la pelle en diamant aussi, si c'est parce que je voulais, c'est celle que je voulais mettre en netherite pour la casser ça, c'est un progrès ça, il me manque que celle-là, donc on va mettre celle-là en netherite aussi, tiens tant qu'on y est, hop, et on sacrifie encore un lingot, aïe aïe aïe, ça fait mal, ça pique. On n'oublie pas quand même de prendre notre truc avec nous. Hop, hop, hop. Et on va transformer cette pelle en netherite. Comme ça, on va la casser avant notre enchantée qui est raccommodage, elle. Ah oui. Ah oui. On est un petit peu intelligent de temps en temps. Où est-ce que je pourrais user une pelle vite? Dans un désert en récoltant du sable. Voilà, je pense que j'ai trouvé. 22h56, est-ce que je vais dans le désert justement casser ma pelle? Ça pourrait être une bonne idée. Hein. Ça pourrait être une très bonne idée. Mais j'ai pas de chat. Pour me protéger des fantômes. C'est Casper et Malo. Je voudrais pas emmener les nommés. C'est les pas nommés que j'aime bien trimballer en fait. C'est plus simple. D'ailleurs, on pourrait trimballer un chien avec nous. Hop. Et j'ai même pas un seul poisson. Pour les nourrir. Je crois que ça marche pas, hein, de leur donner du poisson cuit. Ouais, non. Faut vraiment du poisson cru pour qu'ils se reproduisent. Donc c'est mort.
C'est vraiment nul cette histoire. Est-ce que les cannes à pêche, je les ai laissées au moins ici? Est-ce qu'au moins j'ai fait ça? Est-ce que j'ai eu cette bonne idée? C'est pas dit. Ça m'en dit, j'ai foutu ça dans une shulker. Eh ben non, j'en ai. Voilà, j'ai celle-là. Celle-là, très bien. Voilà. Elle est au top, celle-là. Ouais, pour être. Ah non, elle est pas au top. Je pourrais avoir mieux. Bah déjà, je pourrais la fusionner avec Chance de la Mer 3. Ce serait déjà pas mal. Mais j'en ai de mieux. Faut que je la retrouve. Elle doit être dans mon kit à outils. De toute façon, je vais faire hors caméra. Vous savez quoi, vu l'heure, on va aller récolter du sable avec. Tant pis pour les fantômes. Tant pis pour les fantômes. On n'a même pas peur. Ah bah si, ce qu'on pourrait faire. Attends, on referme la porte. Ce qu'on pourrait faire, c'est récolter du sable ici. Voilà. On va récolter du sable sur le bord. On va augmenter la falaise de l'océan. Oula, mais c'est que ces messieurs veulent me taper. Oula, et on se calme. Pas de trident, s'il vous plaît. Hein. De toute façon, je m'en fous de récupérer le sable. Moi, tout ce que je veux, c'est user la pelle. Donc, je vais m'écarter de ces messieurs. On va se mettre plutôt le plus bas possible. Vu qu'on a quand même apnée, on peut tenir un petit moment sous l'eau. Ah, et c'est juste un peu plus long sous l'eau qu'en surface, en fait. C'est ça que j'oubliais aussi. Oh là là! Oh oh oh! Il y a du monde! Eh ben, venez, vous êtes en masse à l'épée, voilà, hein, puisque vous êtes volontaire pour une séance de je vous tape. Eh ben, hop, je vous tape. Mon chien va se noyer à force. Hop, hop, voilà. Oh là! Un avec un trident! Heureusement, il n'arrive pas à me toucher. Hop! Allez, dis-moi que t'as lâché ton trident, même pas! Pfff. Eh, c'est que ça spawn dur ici. Hein. Je vais peut-être la faire ici, en fait, ma petite ferme à trident. Là, par contre, je vais me noyer. Je vais les rejoindre. À jouer au cacou, là. Hop, 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 hop! Ah, ah oui! Je sors, il y a un creeper. Wow! Wow, quelle mauvaise idée. Ok. Alors, on va rester par là. On va éradiquer ce monsieur. Et on va continuer à user notre pelle. Voilà, on va faire une plage artificielle. C'est un étretat artificiel. Oh, bidon. Et regardez, un bébé avec un trident. Faut le faire, ça, quand même. Ouais, par contre, il fait mal. Tu veux bien mourir? T'es où? Oupoupoupou. Là, ça commence à piquer. Ça commence à piquer fort. Il est mort ou... Bah oui, je vais voir les fantômes en rab. Bon, ça va se compliquer, cette histoire. Ça va se compliquer. Hop, on rentre. je n'ai pas beaucoup usé la pelle. Ah, c'est une pelle en azurite en même temps. Oh, punaise. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai bien pris mes colorants, là. Ah, mais j'ai sur moi les... Mince, je suis bête. J'ai sur moi les... Et je les ai pas pris les colorants en plus. J'ai compté que je les avais, je les ai pas pris, je m'étais fait de la place. Mais j'ai les armures sur moi, suis-je bête? Je les ai pris dans la shulker. Impeccable, on va se faire le progrès dès maintenant. Pas besoin de retourner chez Astérix, cool, cool, cool. Voilà, bon, ce sera plus détendu que d'aller se fight avec les bébés zombies avec trident. Punaise, un bébé zombie avec un trident, faut le faire quand même. Alors, c'est l'autre. Si ce n'est point toi, c'est ton frère. Hop. Ah oui, bon, toi, tu vas rester assis là, parce que tu vas me casser les pieds. Mince. Ah, je me trompe de touche, là. Je jette mes bottes, en plus. N'importe quoi. Ah oui, d'ailleurs, je suis allé me battre un petit peu à la One Again. J'avais même pas mon plastron. Ok. Alors, on a les colorants, et on va poser la shulker. Hop. Ok. Impeccable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va s'en faire 8, déjà. Les 8 premiers, colorant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Voilà, on va déjà se faire ces armures colorées là. C'est très simple, hein, une armure colorée. Touc, touc, et boum. Je sais pas si on peut faire. Non, je peux pas les monter automatiquement. Là, lui non plus. Bon, bah voilà, on est parti, hein. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'armor stand pour chevaux, donc on va pas pouvoir les mettre en exposition. Je pourrais les mettre dans des petits cadres. Je pourrais les mettre dans des petits cadres. On verra. On verra, hein, parce que les cadres, ça coûte du cuir. Le cuir, je peux en avoir d'autres utilités, donc ça se discute. Elles ont des couleurs assez amusantes, j'avoue. Non, je sais ce que je vais faire. Je les mettrai en expo sur des chevaux, tout simplement. Sur des chevaux. Pourquoi je m'embêterais à les mettre sur autre chose que des chevaux? Hop, voilà, on a nos 8 premières couleurs, impeccable. Gentiment, poum 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 poum. Voilà. On recommence avec les dernières. Et on prend les couleurs du haut. D'où l'intérêt d'avoir bien rangé. Hop, une en blanc. Celle-là, je crois que je l'ai faite en plus, mais c'est pas grave. On la refait. Quand on aime, on ne compte pas. Du noir, du coup, j'en ai une flopée avec les poches d'encre. Hop, orange et jaune. Voilà. Et on recommence. Une armure blanche. Hop. Une armure gris clair. Une armure grise tout court. Noir, 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 c'est noir. Hop, jaune. Orange. Voilà, marron, elle va pas être très distinguable. Ouais, c'est légèrement plus foncé, on va dire. Et une rouge. Et le voilà, le petit progrès. Et du coup, on a gagné 8 cuirs. Bah, c'est sympa ça d'avoir gagné 8 cuirs. Ça nous fait 8 petits cadres pour les mettre. Du coup, c'est pas mal. On va pouvoir peut-être les exposer quand même. Alors, je sais pas où. Peut-être dans la salle des trophées. Faudrait qu'on fasse une salle des trophées d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse une petite salle des trophées. Oh, mais dites-moi, il n'a pas vu l'heure, le monsieur. Il a encore bien débordé. Bah, c'est pas grave. Il a débordé, mais c'était pour la bonne cause. Regardez, regardez. Un petit progrès. Cavalerie colorée. Voilà, on a gagné 8 cuirs, un peu d'expérience. On va juste regarder ensemble vite fait. Hop, ce truc-là, c'était dans quoi, ça? C'était dans les animaux? Oui, c'était dans les animaux. Eh bien, impeccable. Il nous manque plus qu'à adopter toutes les variantes de chevaux. Et côté équestre, on sera bien. Une champimeu avec un éclair, bah ouais, bah on retournera vite au champi machin, mais voilà. Oslo, bah faut vraiment que j'en trouve dans la jungle, il m'en faut deux. Animaux, c'est peut-être après agriculture le plus gérable, hein. Trouver les lapins, là, il faut qu'on trouve. Faut que j'arrive à penser à accrocher tout le monde avec une laisse. Ouais, alors ça c'est long, les stacks de nids d'abeilles, le lama, ouais, alors ça va être chaud. Mais voilà, c'est peut-être animaux la plus. Celle qui semble la plus accessible. Eh bien, moi, je vais vous dire à demain, si vous le voulez bien, je vais partir à la pêche, au saumon cru et à la morue crue. Portez-vous bien. Ciao, ciao !